Bonjour à tous ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour la vie encore qu'il nous donne aujourd'hui. Amen. 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 Aujourd'hui, je suis venu encore avec un thème pour t'entretenir, pour nous entretenir. Amen. Amen. Parce que quand Dieu parle, il parle d'abord pour le prédicateur avant de parler pour le peuple. Amen. Amen. Voilà, donc chaque thème que nous développons ici est bon, non seulement pour nous et pour vous aussi. Amen. Donc le thème que je veux développer ce matin, c'est ton plus grand ennemi. Amen. Amen. Ton plus grand ennemi. Certains se posent la question de savoir pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi mon foyer ne marche pas, pourquoi la famille ne marche pas, pourquoi mon commerce ne marche pas, pourquoi l'argent ne reste pas, pourquoi. Et moi, je suis venu te dire ce matin que je connais l'ennemi qui fait que les choses ne marchent pas pour toi. Je connais l'ennemi qui fait que tu n'arrives pas à dormir. Je connais l'ennemi qui fait que tu es malade tout le temps, chaque fois quand les examens sont proches. Je connais l'ennemi qui fait qu'un homme ne reste pas avec toi, ne dure pas avec toi. Je connais l'ennemi qui fait que tu sens comme s'il y a quelque chose dans ta gorge qui veut sortir, mais ça ne veut pas sortir. Et cet ennemi-là, on va ensemble trouver sa solution ce matin. C'est le même ennemi qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan. C'est le même ennemi qui a fait que Adam a été chassé du jardin. C'est le même ennemi qui peut faire en sorte que la main de Dieu quitte sur toi. La main de Dieu quitte sur une personne. La main de Dieu quitte sur une nation. Dieu avait choisi Saül. Mais à cause de cet ennemi, Dieu est revenu après pour dire, je l'ai rejeté. C'est le même ennemi qui fait ça. Dieu enlève sa main sur toi. Dieu enlève sa main sur la nation. Et cet ennemi-là, il est en Genèse, chapitre 2, à partir du verset 17. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, ton plus grand ennemi, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas la pauvre vieille au village qui est fatiguée. On ne sait pas si demain elle va se réveiller. Ton ennemi véritable, ce n'est pas ton fils. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta sœur. Parce que toutes ces personnes que j'ai citées, sans le péché, ces personnes ne peuvent pas atteindre ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Toutes ces personnes que j'ai citées là, sans le péché, elles ne peuvent pas atteindre ta vie. Alors ton plus grand ennemi, ce n'est pas toutes ces personnes, c'est simplement le péché. Et ce que je suis venu dire ce matin, c'est que nous connaissons déjà plusieurs sortes de péchés. Il y en a d'autres aussi que vous ne connaissez pas, mais vous allez les découvrir au fur et à mesure de votre marche chrétienne. Amen. Amen. Un des péchés que vous ne savez pas, quand Dieu déclare une chose pure et que vous la déclarez impure, c'est un péché, mais vous ne le savez pas. Amen. Amen. Quand Dieu dit par exemple de manger tout ce qui se vend au marché, puis toi tu dis tu ne manges pas celui, mais tu vas te retrouver dans le même enfer que la fille qui a fait les avortements. Hey, c'est dans le même enfer qu'on va vous mettre. Mais toi tu vas dire, mais pourquoi je suis ici avec cette fille-là? Tu vas peut-être remarquer une prostituée à la rue Princesse et puis demain vous êtes ensemble à l'enfer là. Mais moi je ne suis jamais prostituée, je suis ici avec elle. Dieu dit oui, parce que ce que j'ai déclaré pur, toi tu l'avais déclaré impur, donc tu as fait de moi un menteur. Amen. Amen. Mais ça c'est au fur et à mesure que vous allez apprendre certaines choses. Donc ton plus grand ennemi, frères et sœurs, ce n'est personne d'autre que le péché. Amen. Maintenant ce que je vais ajouter ce matin, c'est que chaque péché a sa réaction. Chaque péché a ce qu'il engendre. Chaque péché a les portes qu'il ouvre. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, ne donnez pas accès au diable. C'est le péché seul qui donne accès au diable. Il n'y a rien d'autre encore. Il n'y a rien d'autre sur cette terre qui peut donner accès au diable. Donc chaque péché a un accès qu'il donne au diable. Il y a des péchés par exemple qui vont donner accès
à un esprit qui viendra faire en sorte que tu ne dormes pas. Amen. Amen. Il y a certains péchés qui vont donner accès à certains esprits qui vont faire que tu ne te marieras pas. Il y a certains péchés qui vont donner accès au diable qui feront en sorte que l'argent ne restera pas. Chaque péché a sa façon de réagir. Pourquoi? Parce que derrière chaque péché, il y a un esprit. Derrière chaque péché, il y a un démon qui commande l'argent. Il y a un autre qui commande la famille. Il y a un autre qui commande le foyer. Vous voyez, ce n'est pas tous les esprits qui sont contre le foyer. Non, non. Au ciel, là-bas, là, chaque ange a sa place. Il y a un ange pour les songes. Il y a un ange pour le combat. Il y a un ange pour la guérison. Il y a un ange pour ceci, il y a un ange pour cela. Et je vous assure que si les anges qui sont auprès du diable actuellement étaient au ciel et sont venus auprès du diable, c'est-à-dire qu'ils ont copié. Vous savez que le diable copie. Donc, ils ont copié. Le diable aussi est bien structuré. Il dit, toi, démon, toi, il faut gérer le foyer. Toi, ton rôle, ce n'est pas le foyer. Toi, il faut plutôt gérer le pays. Toi, ton rôle, bon, faut gérer ce village. Toi, ton rôle, c'est mettre échec seulement ici. Toi, faut bloquer l'enfantement. Vous voyez, c'est bien structuré. Mais je vous dis que ces démons-là sont derrière le péché. Donc, chaque péché entraîne une action. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que le péché de Moïse, ça ne l'a pas tué. Qu'est-ce que ça a plutôt fait? Empêcher d'aller à Canaan. Sinon, il n'est pas mort. Il est 120 ans, qui ne veut pas vivre jusqu'à 120 ans. Amen. Amen. Le péché de Adam a fait en sorte qu'on le chasse du jardin. Est-ce que vous me comprenez? Le péché de Judas a fait en sorte que c'est un esprit de mort, de suicide. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des esprits de suicidieux. Oui. C'est-à-dire que le péché qu'il a commis, le démon qui a fait, qui l'a mené à commettre ce péché, c'était un esprit de suicide qui était derrière. Pierre, il a vite compris et il allait pleurer rapidement au pied du Seigneur. Sinon, trois fois réunir le Seigneur, vous allez voir qu'il y a un démon qui allait rapidement. Donc, plus tu comprends vite, plus il y a la possibilité de te sauver. Amen. Plus tu comprends que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas la vieille du village, ce n'est pas, mais que c'est à ton niveau, plus on va te sauver. Amen. En ce moment-là, tu vas t'arrêter et puis tu vas te regarder toi-même. Est-ce que je ne parle pas trop? Est-ce que je ne mets pas les yeux là où il ne faut pas mettre? Est-ce que je ne mets pas les oreilles là où il ne faut pas mettre? Est-ce que je ne fais pas ceci? Est-ce que je ne fais pas cela? Qu'est-ce qui est bien dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas bien dans ma vie? Qu'est-ce qui est bon dans ma vie? Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma vie? C'est comme cela s'attacher à Dieu. Sinon, quand on dit attachez-vous à Dieu, c'est pas aller prendre une corde et puis tu vas voir Dieu qui est là, tu vas prendre une corde à vous, enroulez vous deux. C'est ça là, s'attacher à Dieu. Dieu est à un point A, le diable est à un point B et vous, vous êtes au milieu. Vous allez remarquer avec moi que plus vous approchez de Dieu, vous vous éloignerez du diable. Plus vous vous approcherez de Dieu, vous vous approchez de la lumière. Et plus il y a la lumière, ça va commencer à prendre tous les domaines de votre vie. Mais il faut s'approcher plus. C'est comme une ampoule. Il y a des ampoules de 40 watts, il y a d'autres de 60, ainsi de suite. Mais les deux éclairent, n'est-ce pas? Mais est-ce que les deux éclairent de la même manière? Non. Donc vous voyez que plus vous vous approchez de Dieu, tu vas remarquer qu'un autre a plus de lumière que toi. Pourquoi? Parce qu'il s'approche plus. Si tu veux avoir plus, approche-toi seulement. Chaque jour, approche-toi. La marche chrétienne n'est certes pas facile, mais chaque jour, approchez-vous. L'objectif, c'est atteindre la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à l'image parfaite de Christ. Mais c'est une marche quotidienne. Chaque jour, je t'en supplie, fais un pas de plus. Laisse quelque chose qui n'est pas bon dans ta vie. Chaque jour, fais un pas de plus. Fais un sacrifice. Fais un effort. Amen. Parce que toute chose là, il y a l'effort aussi que Dieu va te demander. Le fils prodigue, quand il est sorti de la maison de son papa, il est sorti mal de la maison de son papa. Et je voudrais dire à quelqu'un qu'il ne faut pas sortir mal de la maison de ton papa. Parce que autant certains péchés savent ouvrir certaines portes, autant la manière dont tu vas marcher aussi avec Dieu saura ouvrir certaines portes pour toi. Exemple, il y a une seule chose qui donne la longévité sur la terre. Qu'est-ce que c'est? L'obéissance à qui?
à ses parents. Vous voyez, non? Ce comportement-là, lui, son rôle, il va te donner longévité. Mais vous allez voir qu'il y a un autre comportement que tu peux avoir aussi avec Dieu qui ne va pas te donner, qui donne pas la longévité parce qu'il y a un autre comportement qui se charge déjà de ça. Mais lui, il va te donner l'argent. Il y a un autre comportement, lui, il va te donner foyer. Il y a un autre comportement, lui, il va te donner diplôme. Ainsi de suite. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Il faut que tu veilles sur chaque porte dans ta vie. Parce que notre vie que vous voyez là, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs entrées. Ils viendront contre toi par sept chemins. Ce sont des entrées qui sont là. Parce que ta vie là, il y a plusieurs entrées. Et ils sont là. Vous voyez, le diable rôde autour de nous comme un lion. Vous pensez qu'il cherche quoi? Il cherche une porte pour entrer. Donc il rôde. S'il n'a pas eu une porte pour entrer devant, peut-être qu'il peut avoir une porte pour entrer derrière. S'il n'a pas eu la porte derrière, il peut peut-être entrer sur le côté. Mais je vous dis qu'il passe aussi en bas, hein. Il va aller passer en bas pour voir s'il ne peut pas entrer par en bas là-bas. Parce qu'il est très rusé. Je ne sais pas comment il a fait pour se glisser dans le jardin, mais il est très rusé. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça ton plus gros effort aujourd'hui. Ne, vous n'avez pas à combattre la chair avec le sang. Tout ce que vous devez combattre là, c'est comment tu vas être fort sur cette situation. C'est-à-dire, il faut te tester ta capacité de ne pas réagir quand tu entends certaines choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as fait un peu. Mais demain, tu dis, je vais faire encore un peu d'effort. C'est-à-dire que toi, quand tu parles avant, là, systématiquement, tu réponds. Maintenant, aujourd'hui, quand on te parle, tu attends 2 minutes avant de répondre. Après, demain, quand on te parle, tu attends 10 minutes d'abord avant de répondre. Après, quand on te parle, tu ne réponds plus. C'est comme cela l'exercice. Sinon, on ne dira pas à quelqu'un tout de suite là, à mettre un faux phénomène. Amen. Tu ne diras pas à quelqu'un tout de suite là, il faut être parfait, il faut être... Non, non, ça ne marche pas comme cela. C'est une progression. Aujourd'hui, là, quand ils ont parlé, il a répondu. Demain, quand ils ont parlé, tu as 10 minutes d'abord. Souvent, quand tu veux répondre, tu fais... Amen. Amen. C'est exercice, oh. C'est pas facile, mais c'est exercice. Dieu peut nous aider. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ce message ce matin. Donc, plus vous veillerez sur les accès de votre vie, vous allez voir que vous aurez la paix. Vous aurez la longévité. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Qu'il nous donne la capacité de pouvoir résister au nom de Jésus.